Samalcom, bonjour chers amis, chers étudiants. J'espère que vous vous portez très très bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer notre étude concernant le CMS WordPress. Alors comme d'habitude, on va commencer par ce qui est très simple à faire. Donc sachant que la dernière séance était consacrée à la réalisation d'une boutique en ligne. Cette boutique on a utilisé un plugin, si vous vous rappelez, le plugin des produits. Alors pour cette séance-là, nous allons nous pencher vers un élément aussi important, celui de comment contacter, comment faire une page de contact à l'intérieur de notre site web. Comme vous voyez, ici on est devant la page d'administration de notre WordPress. Effectivement, donc il y a un réglage pour les contacts, mais le problème c'est que c'est très très basique, c'est très simple, et aussi ça ne nous permet pas d'avoir par exemple un formulaire plus ou moins pertinent et puissant. Donc vous voyez que par exemple ici, je peux construire un formulaire en utilisant des balises en HTML. Ça veut dire vous glissez la balise bien sûr à l'endroit voulu. Mais c'est pas le principe de what you see is what you get. Ça veut dire on ne sait pas comment va avoir l'air notre formulaire à la fin. Donc il y a toujours un moment de suspense. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de créer le formulaire avec une autre façon, en utilisant cette fois un plugin plus ou moins spécial. Alors nous allons chercher dans le site wordpress.org, donc nous allons chercher WordPress Forms Lite, donc WP Forms espace Lite. C'est un formulaire, c'est un gestionnaire de formulaire gratuit qu'on peut intégrer à notre WordPress. Donc une fois que vous allez accéder à la page de ce plugin, d'accord, en vous donnant la main bien sûr à avoir les différentes informations, entre autres les versions, etc. Donc c'est valable aussi pour tous les sites. Et on voit très bien que ici la notation elle est très très haute. Ça veut dire donc il est très bien évalué par les utilisateurs. On vous le recommande. Alors, je vais faire download. Donc, une fois que c'est fait, bien sûr, vous allez le retrouver dans vos téléchargements. Le dossier de vos téléchargements, bien sûr. Alors, si on revient à notre back office, comme ce qu'on a fait avec les extensions e-commerce de l'autre fois. Donc l'autre fois, si vous vous rappelez bien, on a installé ça, e-commerce product catalog for WordPress, et on a bâti toute une boutique pour vendre des produits divers, bien sûr par catégorie. Donc on va faire pareil, on va installer une nouvelle extension. Donc on va l'ajouter depuis ici, donc le bouton ajouter. Donc ça va nous donner la main à bien sûr avoir les dernières propositions de WordPress. Sinon, comme ce qu'on a fait, donc on a téléchargé déjà le fichier zip depuis le site de tout à l'heure. D'accord? Donc on l'a téléchargé directement depuis WordPress.org. Alors là, on n'a qu'à téléverser l'extension. Ça veut dire on doit montrer à notre CMS là où se trouve le package de cette extension-là. Donc je clique et je n'ai qu'à choisir le fichier en question. WP Forms Lite. Et je fais ouvrir l'extension et je clique sur installer. Donc l'installation ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc ça prend presque 30 secondes pour s'installer. Ça dépend de votre connexion. Alors, une fois que c'est fait, rappelez-vous, les extensions peuvent être activées ou désactivées. Donc, par défaut, les extensions sont désactivées. Alors, pour cela, on a ce message.
Donc là, lorsque l'extension a bien été installée, activez l'extension. D'accord? Donc vous pouvez l'activer directement à partir de là, en cliquant sur ce petit bouton. D'accord? Faites attention au chargement qu'on voit ici dans le haut de la fenêtre. Et voilà, donc on est devant la page d'accueil de WP Forms. D'accord? Là, on nous montre les fonctionnalités. Et sachant bien que la version qu'on vient de télécharger, c'est une version gratuite, on appelle aussi une version light. À ne pas confondre avec la version pro. Donc la version pro, elle comporte un certain nombre de composants payants, comme par exemple les paiements, les outils d'analytique marketing, etc. Bon, certains petits réglages concernant le CAPTCHA, par exemple, pour vérifier tel ou tel. Alors, de toute façon, nous, ce qu'on a téléchargé est largement suffisant pour la plupart des sites web. D'accord? Si vous cherchez des options plus avancées, alors dans ce cas-là, par exemple, PayPal, géolocalisation, ces options-là, vous pouvez acheter la version pro. Attention, c'est une version service, c'est-à-dire que vous devez à chaque fois payer par année ce montant-là. D'accord? Alors, maintenant, comment peut-on utiliser notre extension? Alors, il est préférable de revenir au menu extension à partir de votre panel d'administration. Et là, vous allez trouver que notre extension installée, elle est située en bas de liste. Donc, elle est là, WP Forms Lite. D'accord? Bien sûr, on peut lancer. Elle est déjà activée. Mais l'idéal serait de chercher dans le menu ici le bouton WP Forms. Okay? Donc, c'est le menu spécial pour l'extension. Comme ce qu'on avait fait avec notre catalogue de produits. D'accord? Il y a un menu spécial pour les forms. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer directement sur le bouton Ajouter pour pouvoir créer un nouveau formulaire. Voilà. Donc, la première chose qu'on nous propose, c'est de fournir un nom pour notre formulaire. Par exemple, je peux faire page de contact. S'il s'agit d'un simple contact. Par exemple, si on a une boutique, on peut, je ne sais pas, faire par exemple la page commande, la page des commandes de produits, peut-être, ok? La page demander un devis, d'accord? Un devis gratuit, d'accord? Si par exemple vous voulez faire un sondage en ligne, ok? Donc c'est à vous de voir quel est le but, quel est l'intérêt d'avoir ce formulaire-là. Et ça nous, rien ne vous empêche de créer plusieurs formulaires. Vous pouvez créer plusieurs formulaires, un pour le contact, un pour la commande, un pour la réclamation, un pour les sondages, etc., etc. Donc là, je vais faire ma page de contact comme début. Okay? Donc je peux commencer par un formulaire vide. Là, il me propose des modèles. D'accord? Donc je peux commencer par un formulaire de contact simple. Donc je clique pour faire vide. Qu'il est en train de charger ce modèle-là. Voilà. Alors, voyez la différence entre ce que je vous ai montré tout à l'heure comme formulaire de contact basique dans WordPress et entre celui-là. Alors là, il vous donne, vous voyez automatiquement le résultat final de votre formulaire. Donc, c'est le principe Easy Wig. What you see is what you get. Et à gauche, vous voyez qu'il y a ici les champs standards qu'on peut glisser tout simplement et les placer à l'intérieur de notre formulaire. Il y a aussi des contrôles plus sophistiqués, mais malheureusement, ils sont payants. On ne peut pas utiliser dans cette version-là. D'accord? Alors, j'ai ici le champ nom, okay, nom et prénom. Là, le prénom et le nom, l'email, le message. D'accord? C'est tout à fait très, très basique. Donc, je peux ajouter, par exemple, d'autres champs. Par exemple, je peux demander à la personne d'inscrire,
par exemple son adresse, d'accord, la ville peut-être, d'accord, l'adresse de la ville. Donc là je peux taper adresse, d'accord, je peux dire que c'est nécessaire, ok. Donc si vous cochez ça, automatiquement une étoile rouge vient se mettre à côté du champ et ça va devenir un champ obligatoire si c'est nécessaire, bien sûr. Voilà, je reviens à la liste des champs. Je peux par exemple ajouter le choix de la région ou de la ville. Bon. Vous pouvez faire une liste déroulante. Vous pouvez la glisser directement ici. Par exemple, je veux qu'une fois qu'il a choisi l'adresse, choisir par exemple le code postal ou la région, peut-être la ville. D'accord? Donc là, je fais région, ville. Et je peux inscrire ici, voilà, les différentes villes qui seront intéressées par, bien sûr, le service que je propose dans le site web. Où il serait par exemple simple de faire que les régions, d'accord, les différentes régions de votre pays. Par exemple ici je vais faire Rabat-Salé, Kénitra. Je peux aussi faire région du Grand Casablanca. Je peux faire ici Tanger, Tétouan. Etc. Donc, si vous avez d'autres régions, vous pouvez les inscrire en cliquant tout simplement sur le plus ici. Par exemple, pour faire l'oriental. Et on peut par exemple ici faire Ravach, Agadir. Etc. Alors, même principe, vous pouvez rendre ce champ obligatoire en cliquant sur nécessaire. Et voilà, donc je passe maintenant enregistrer mon fonds. Ok, donc c'est fait. Alors, je peux revenir maintenant. Vous pouvez tester directement le form, comme vous pouvez aussi ajouter quelques réglages. Par exemple ici, dans les réglages qu'on a, donc déjà on a inscrit le nom du form, on peut faire une petite description. Donc si vous avez un goût particulier pour le design, vous pouvez taper le nom de la classe CSS qui va être responsable du design, du code de couleur, etc. de votre formulaire. D'accord, le texte sur le bouton envoyer. Et au moment où vous allez cliquer sur le bouton, quel message va sortir. Ok, alors si vous voulez activer par exemple certaines options ici, comme par exemple ça, le remplissage automatique, ou si vous voulez que le formulaire se charge localement sans qu'il change de page, etc. Alors pour toute information complémentaire, vous pouvez bien sûr l'avoir ici à côté. Aussi, en matière de paramétrage, on a des informations très très importantes à voir. Par exemple, c'est la notification. Ok, donc ça veut dire, comme vous savez, est-ce que on va être informé de l'envoi de messages. Bien sûr, à chaque fois que vous envoyez ou vous recevez des messages, est-ce que vous voulez avoir une information dans votre boîte email? Alors là, soit vous gardez l'admin, l'email de l'administrateur du WordPress, ou vous pouvez ajouter avec une virgule, par exemple, d'autres destinataires. D'accord? Donc, le client a tapé un email, donc vous allez avoir, bien sûr, la notification sur votre boîte email. Alors, vous pouvez inscrire ici les noms des personnes qui vont être concernés par cet email là, etc. À chaque fois vous mettez une virgule pour faire la séparation entre les différentes personnes qui vont recevoir l'email. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a, donc le sujet de l'email que vous voulez inscrire au départ de votre message,
D'accord? Le nom de votre site web ou le nom, bien sûr, de la plateforme qui a envoyé depuis l'email. Ok. Sachant une information importante, vous devez faire bien attention à l'email de l'admin. Par exemple, dans certains CMS, vous devez activer le service d'email. Hein. Des fois, il se trouve qu'il est désactivé et vous n'allez pas recevoir de message du tout. Alors, vous devez faire attention avec, bien sûr, cette adresse-là. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, je vais enregistrer les paramètres que j'ai faits. Je vais revenir. Je ferme bien sûr le plugin. Je ferme l'application. Je vais revenir pour vous montrer là où on peut changer l'email du site web, l'email de l'admin du site. Donc, à partir de menu réglages général. Alors là, vous allez trouver les paramètres généraux de votre site web. Donc, le nom du site, vous pouvez le changer, le slogan du site web, l'adresse, attention à l'adresse. Donc, si vous avez un domaine, par exemple, faites attention à ne pas changer ça. Alors, par contre, ici, donnez une adresse que vous utilisez. Par exemple, pour moi, je vais mettre ça, parcours.formation@gmail.com. D'accord? Alors, les autres réglages, vous pouvez revenir pour les changer. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient s'inscrire dans votre site web, vous allez le considérer comme étant abonné. Là, vous allez permettre à tout le monde de s'enregistrer sans problème. Voilà que c'est fait, je vais enregistrer les modifications. Alors maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a installé l'extension du forum. D'accord? On a créé notre formulaire, on a changé l'adresse mail de l'admin, on a inscrit des paramètres pour le formulaire de contact. Alors, vient par la suite, on doit absolument créer une page spécifique pour intégrer le forum. Donc là, je vais ajouter une nouvelle page pour mettre le formulaire de contact. Voilà, donc la page en haut, je vais mettre un titre, contact, et à l'intérieur, je vais ajouter cette fois le widget. Le widget, c'est le plugin, c'est l'extension. Le widget WP-Forms. Donc, je vais cliquer, donc il va automatiquement s'ajouter à la page, et là, je vais retrouver les formulaires que j'ai créés. Par exemple, page de contact. Vous pouvez créer plusieurs. Et là, vous allez vérifier est-ce que ça correspond à ce que vous avez réalisé. Voilà. Donc, j'ai fait l'adresse, la région, la ville. C'est ça mon formulaire. Alors, je vais maintenant faire une publication de ce forum. D'accord? Donc, le formulaire. Et là, alors je vais cliquer sur planification, d'accord, et je vais le publier immédiatement. Je clique sur planifier. Voilà que c'est fait. Je peux regarder la page en cliquant sur voir la page. Faire un aperçu de la page, donc elle est là, donc je peux inscrire mes informations. Donc la région, donc je vois bien les régions que j'ai inscrites. Et je clique sur envoyer. Voilà, donc là j'ai le message de confirmation.
D'accord? Que je retrouve ici. Alors, ma page de contact, je dois vérifier est-ce qu'elle fait partie du menu. Donc, rappelez-vous, dans la séance menu, on a dit que pour se pencher vers cette par l'apparence menu. Donc, par apparence menu, c'est là que vous allez retrouver les différentes rubriques de votre site web et vous pouvez les insérer ici. Donc, par exemple, là, je dois supprimer ça. J'ai ma page de contact qui s'est ajoutée dans le menu principal. D'accord? Et pour ajouter à chaque fois, donc vous devez cocher et cliquer sur ajouter le menu. Alors voilà, donc on est arrivé à la fin. Notre formulaire de contact a été bien installé, on l'a testé. Donc maintenant c'est à vous. Essayez de pratiquer ça, ce que je vais vous montrer. Ça va vous permettre aussi d'avoir une idée sur les extensions qu'on peut ajouter pour améliorer notre site web afin de répondre bien sûr aux besoins de notre clientèle, de vos internautes. Donc je vous remercie pour votre attention. On se voit très prochainement, Inch'Allah. Donc au revoir, ma salam, au revoir.